quelque chose bloque. Ugh!
La justice. Non, écoutez-moi, écoutez. Nigeria est toujours là-bas. La créature m'a emmenée et on peut encore la sauver. Aidez-moi. Ah, elle déforme la vérité. Elle a sacrifié son amante à la terreur. Une mystios. Les dieux existent. Aide-moi, je t'en prie. Silence, serpent. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons juger cette créature malfaisante. Ils sont fous! Ils croient que j'ai offert ma Nigeria en sacrifice à la créature de la forêt! Langue fourchue, tais-toi! Ce fléau ambulant est complice de la terreur ondulante! Elle a surtout l'air effrayée. Je t'en prie, la créature a emmené Nigeria! Si je meurs ici, qui ira la sauver? Je vais sauver Nigeria et tuer tous ceux qui tenteront de m'en empêcher. Qu'est-ce que tu dis? Elle te conduira au temple pétrifié où tu mourras! Si cette terreur ondulante a épargné cette Nigeria, nous devons agir. Suis-moi. Méfie-toi. C'est la peur qui anime ces gens. Cette femme va venir avec moi. Je vous conseille de nous laisser passer. Tu es sous ses sortilèges, Mystios. Mes amis, nous devons sauver notre ville. Et ces intrus doivent être détruits. Cache-toi dans le temple. Je vais régler ça. Elle vénère la terreur ondulante. Tuez-les avant qu'elle ne dirige toute sa colère. Thank you.
les dieux! Éteignez ça! Avec la prime sur ta tête, je vais manger pendant un an. J'ai besoin de ces drames. Tu es hors de danger. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je cherche, Mystios. Je veux plonger encore une fois mon regard dans celui de Ligeia, même si ça doit me tuer. Ouvre l'œil, sois prudente, et avec mon aide, tu reverras bientôt les yeux de ton amante, sans avoir à y laisser la vie. Tu sais, ce serait plus simple si tu me disais ton nom. Je m'appelle Brice. Cassandra. Ligeia m'attend, Cassandra. Si c'est moi qui avais été emmenée, elle serait venue me sauver tout de suite. Alors ne la décevons pas. Où a-t-elle été capturée? Dans notre sanctuaire, les ruines de la Terreur, dans la vallée pétrifiée. Et cela t'étonne? Qu'une créature l'ait emmenée? Nous sommes en danger ici. Nous devons quitter la ville. C'était notre lieu préféré. Un lieu interdit pour des passions interdites.
Tu parles d'un nid d'amour. J'ai connu des obsèques plus romantiques. J'ai trouvé ses vêtements sur le chemin de l'antre de la terreur ondulante. Nous devons la sauver. Il faut trouver Ligeia. Je te suis. Qu'est-ce qui est arrivé à ces arbres? Je ne devrais pas rester ici. Quel est cet endroit? Il est dépourvu de vie. Nous arrivons dans le domaine de la terreur ondulante. Écoute, c'est comme si le son lui-même avait peur de ce que cache la brume. J'ai du mal à respirer. Même l'air semble mort. Ces statues sont étonnamment réalistes. Et leur visage est contorsionné par la peur. Elle détruit tout ce qu'il vit, le transformant en pierre et le laissant figé dans la peur pour l'éternité. Si Ligeia, si elle a été pétrifiée, comment lui offrirais-je des funérailles? Elle ne rencontrera jamais Caron. Ligeia! Ligeia! Brice, attends! Malaka! Je ferai bien le trouver. Il nous faut entrer, mais je ne vois pas d'ouverture. Et les murs n'offrent pas la moindre prise. Ce n'est pas là qu'elle devrait être, mais dans mes bras. Son souffle, son odeur. Chaque soir, nous nous retrouvions aux ruines de la terreur. Une seule fois, j'ai été en retard. Je voulais lui trouver une rose aussi parfaite qu'elle. C'est ma faute. Si j'étais arrivée à temps. C'est ta faute. Qu'est-ce qui vous a pris de vous retrouver dans une vallée maudite pleine de brume? On ne croyait pas à ces histoires. Vous avez attiré la mort. Et quand elle est venue, Ligeia l'a affrontée seule. Mais je vais me racheter. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? Ligeia est une des filles d'Artémis. Il y a longtemps, elle s'entraînait ici. Selon la légende, elles ont trouvé un artefact ancien dans une fosse remplie de serpents. Ligeia pensait qu'il se trouvait toujours dans leur village de Kyos. Je vais le trouver. Il y a aussi un mercenaire, un homme qui prétend avoir tué la créature. Impossible. Mais beaucoup de gens le croient. Il sait peut-être quelque chose. Je vais trouver un moyen d'entrer. Je tuerai cette créature. Et moi, je trouverai la rose que j'aurais dû donner à Ligeia cette nuit-là. Quelqu'un, je te le dis, plus tard se souviendra de nous. Le poème de Sappho. Notre préféré. Cassandra, fais vite! La région de la perle antique.
Allez, on y va. Les bêtes, leurs dents, toutes ces dents. Tu m'as sauvée, ainsi que mon travail. Un remède pour les statues de la vallée pétrifiée. Pourquoi faudrait-il guérir des pierres? Tu as sûrement vu la terreur sur leur visage. Ce ne sont pas de simples objets, mais des hommes piégés dans la pierre. Tu crois qu'ils sont malades? Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont. Je ne suis qu'une érudite qui cherche un remède. Un élixir qui non seulement guérira, mais préviendra une telle affliction. Quelque chose transforme les hommes en statues? Et tu peux refaire d'eux des êtres de chair? Tu m'impressionnes. Oui, enfin, pas tout à fait. Pas encore. Je dois faire quelques essais pour améliorer le procédé. Je n'ai plus qu'une dose d'élixir. Pour en refaire, j'aurai besoin de quelques ingrédients. Mais je ne suis pas en état d'aller les chercher. Que te faut-il? Diverses choses qu'on trouve partout dans la gorge du vignoble. Si tu me les rapportes, je te donnerai une dose de mon élixir. J'aurai ce qu'il te faut. Excellent. Bien, voilà ma liste d'ingrédients. Il me faut des champignons de bouse d'ours, de la bile de cône de mer et un bouquet d'hélébores. Je vais te rapporter tes ingrédients. Quand tu les auras, viens à mon atelier sur la hauteur à l'est de Mytilène. Une grotte, une montagne et la côte. Difficile d'imaginer des endroits plus variés pour ces objets. Regarde-moi ces vignobles. Avec de telles grappes, même Marco serait incapable de faire du mauvais vin. Et ne fais pas la bouche. T'as pas étrange. Vite, faut éteindre ça.
C'est bien par là. La grotte aux champignons ne doit pas être loin. Je dois rester caché. Thank you.
L'épave. Il doit y avoir des cônes de mer tout près. La montagne. Il devrait y avoir de l'hélébore quelque part.
Te revoilà. Tu as les ingrédients ? Je les ai. Très bien. Je vais pouvoir préparer un autre lot d'élixirs. Mais avant, je dois m'assurer qu'il ne présente aucun danger. Cette fiole sur la table est ma dernière dose. Je l'ai gardée spécialement pour toi. Il est hors de question que je boive des champignons de bouse d'ours. Ne dis pas de bêtises, bois-le, et tu n'auras pas à craindre la pétrification. Je ne suis pas sûre. Quoi ? Tu as confiance dans mon élixir, n'est-ce pas ? S'il produit les effets dont tu parles, ce serait idiot de ne pas en prendre. Oui, oui, bois-le en entier. J'ai remarqué une chose en testant mon élixir sur des sujets vivants. À notre mort, nous nous transformons tous en statues. Je vais t'envoyer.
temple sur la hauteur. Sont comme le lev... Pardon ? Nous naissons dans les ténèbres. Nous nous hissons vers les plus hauts sommets, avant de redescendre vers le néant. Guerrier et sophiste. C'est nouveau, ça. Ce n'est pas de la philosophie, mais la vérité, apprise au fil de violence et à la vue du mal. Le mal incarné. Tu veux parler de la terreur ondulante ? La créature. Elle nous a pris en embuscade, et nous n'avons pensé qu'à survivre. Ma lance m'a protégé de son regard et... j'ai eu de la chance. Mes amis, beaucoup moins. Donne-moi cette lance. Nous sommes des guerriers. Nous devons nous battre, sinon je déshonorerai mes amis disparus. Tu vas mourir! Cette lance n'a rien de spécial.